La chronique du jour. La chronique du jour. C'est Rome, Carlos. Bonjour. Encore quelques heures et une grosse pluie de vœux s'abattra sur la cité. Une nouvelle année s'affichera au fronton de nos espérances. Une nouvelle année accompagnée de vœux sans nombre. Des vœux qui jailliront des millions de poitrines. Des vœux qui se disputeront les autoroutes des messageries électroniques. Des vœux qui ponctueront les discours des grands de ce monde. Tous ces vœux reprendront en cœur les mêmes souhaits sous les mêmes formules. Peut-il en être autrement? Alors que des bombes assassines labourent la terre de l'Ukraine, qui ne pense pas à la paix? Alors qu'en certains points du globe, la COVID-19 tente de reprendre du service, qui n'a pas à cœur de former des vœux de santé? Alors que les conséquences d'une gestion laxiste de notre environnement commencent à affecter notre vie quotidienne, qui ne pense pas à longévité, solidarité, fraternité? Le contraste est grand entre les nobles et belles formules des vœux et l'égoïsme de ceux qui tiennent en leurs mains les leviers du monde. D'un côté, nous notons misère, pleurs, sang et larmes. De l'autre côté, nous observons silence, suffisance, arrogance. Il y a des gens qui étouffent sous la charge de la misère. Il y en a d'autres qui apprécient peu le beaucoup dont ils disposent. Pourquoi en est-il ainsi? À quoi sert-il de former des vœux quand on n'a pas la volonté de les traduire en actes? C'est d'abord que les vœux sont faciles à formuler. Ça ne coûte rien. Ça n'engage personne. Le grand bruit orchestré chaque année autour des vœux, à l'occasion du Nouvel An, participe d'un rituel ponctué de formules vides. C'est sans effet sur le cours des choses. Des incantations ne peuvent suffire à libérer l'Ukraine de l'étau russe. Un hymne à la santé au chevet d'un malade de la Covid n'a aucun pouvoir de guérison. Dans ces conditions, un bouquet de vœux ne dure que ce que durent les roses, l'espace d'un matin. C'est ensuite que les tonnes de vœux que nous déversons sur le monde à l'occasion du Nouvel An ne sont pas sincères. Entre les formules que nous lançons dans l'air et les idées que nous entretenons dans notre esprit, il y a un abîme. Tout le monde est porté par un même élan. Tout le monde est plongé dans l'ivresse des mêmes formules de vœux. Tout le monde s'engouffre dans un seul et même tunnel, sans qu'on ne se pose un certain nombre de questions. Où conduit-il ce tunnel? Qu'y a-t-il au bout de ce tunnel? Quelle chance a-t-on de s'en tirer sain et sauf? Sans des réponses claires et précises à ces questions, la plupart de nos vœux de fin d'année resteront peu crédibles. Elles sonneront creux. C'est enfin que les tonnes de vœux que nous déversons sur le monde à l'occasion du Nouvel An sont une manière de nous dédouaner de tout. La formule d'une bonne année, déclinée en ses diverses variantes de bonne santé, de prospérité, de longévité, etc., relève d'une simple formalité. On sacrifie à un protocole ainsi conçu, arrangé et ordonné. On sait bien que rien ne s'obtient d'un coup de baguette magique, qu'on ne peut disposer des bonnes choses de la vie d'un simple claquement des doigts, qu'on ne peut faire advenir les choses par une simple opération du Saint-Esprit. La santé se gagne en faisant ce qu'on doit. La longévité se mérite
en préservant la vie. Une année sera bonne, moins parce qu'on l'aura ainsi souhaité, mais parce que quelqu'un, quelque part, se sera engagé en conscience à s'investir pour qu'il en soit ainsi. Les vœux dont nous surchargeons un début d'année resteront des vœux pieux tant que nous ne saurons pas les dérouler sur toute la longueur d'une année, sur toute la superficie des 365 jours. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes la somme des idées que nous entretenons dans notre esprit. Alors, pensons positif, voyons grand, tenons ferme la barre, soyons vrais, tels sont nos vœux. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.kpfm.com.